Allez, alors là on est en brousse, on est au milieu de nulle part. Vous voyez, il n'y a pas d'arbre, ça. Et là on vient de rencontrer deux jeunes femmes, Aïda Baba et Naba Baba. Voilà, ce sont des peules. Si, c'est des peules. Ouais. Voilà. Demande-leur, donc qu'est-ce qu'elles font là au milieu de nulle part? Mouni, digante bi yeen lo len fi def? Vendre seulement. Elles vendent du lait. Alors, si au moins on peut montrer le lait. Donc, c'est du lait, en fait, c'est un peu comme une forme de yaourt. Voilà, hein. C'est comme du yaourt, c'est un peu un lait caillé qui est très amer, hein, si on le goûte comme ça. C'est bon. C'est bon, ça plaît beaucoup. C'est pas très sucré. Hein. C'est un peu fermenté. Et combien le vend ça? 500 francs. 500 francs. 500 francs, ça fait 75 centimes d'euros. Hein, bon. Voilà. Et combien on en vend par jour? Par 10. Voilà, par 10. Et ça, à l'intérieur, là, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a alors? Il y a du lait encore? D'accord. Il y en a d'autres. Voilà, c'est pour porter. Et comment elle le porte alors? Elle le met où? Hein? Ah, pour le porter, comment on le fait pour le porter, pour le transporter? Pour se donner le boyau beaucoup. Il y a quoi? Petit sa bobby. Oui, il y a le petit bobby. Ah, petit bobby, voilà. Quel âge tu as? Il y a 17 ans. Et toi? 17 ans. La famille. 30 ans. Voilà, bravo. Et tu l'as dit qu'on est remercié. On a acheté le lait pour Ousseinou qui va amener pour sa famille. Voilà, il est en train de demander si elle a un mari. Est-ce qu'on a Jagger? On sait que c'est un grand voyou. Je vais le montrer à ta femme, tu vas voir comme ça. Hier, moi, j'ai un costume. Oh, oui. T'étais beau? Oui. Ouais. Hier, j'ai mon copain de Paul, il baptisé là-bas. D'accord. Moi, j'allais là-bas. Tu étais donc en costume? Oui. Avec la cravate? Non, mais hier, c'est chaud. Quoi. Ah, bon. Mais quand tu vas venir à Dakar, je vais te donner une belle cravate. Ah, d'accord. Et un beau costume. Ah bon? Oui, il n'y a pas de problème. Merci. Voilà, Ousseinou, c'est notre ami, hein. Il est très gentil. Ah ouais, mais c'est normal. Et ouais. Des fois, il vient à Dakar pour nous rendre visite. Tu nous amènes les pommes de cajou. Pommes de cajou, d'accord. Hein? D'accord. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ok, mon ami. Voilà, donc ça, c'était rencontre avec des peules. Des peules, oui, des peules. Les peules, c'est. Explique-nous qu'est-ce que c'est des peules en général. Les peules. Toi, tu es quoi, toi? Toi, tu es quoi? Tu es Moi, j'ai mon mère, c'est des peules. Toi, c'est Peul, ta mère. Ouais, d'accord. Et ton père? Serrer. Serrer, ouais. D'accord. Mais les Peul, en général, c'est des propriétaires de vaches. De vaches. Oui. Ils font des bergers, quoi. Pasteurisation, comment on dit? Non, les pasteurs. Pasteur. Moi, je ne sais pas comment on dit. Les Peul, c'est des bergers. Les éleveurs, ils font éleveurs de vaches. Voilà, c'est des Peul.
Les peules. Et donc, avec la vache, ils font du lait. Ouais. Et le lait, ils le vendent. Ouais, ils le vendent. Voilà. Pour gagner quelque chose. Ouais. Achète de riz, poisson, voilà, pour manger. Et là, combien, tu penses qu'elle marche combien de temps? Combien de temps? Mais... parce que son village, il est là-bas, en fait. Son village, il est non, derrière. Non, derrière la forêt de Barbal, c'est là où il y a le lac. Le petit lac. Voilà. Hein, d'accord, voilà. Et donc, de là-bas, c'est à peu près situé à 7-8 km. Elle passe à... elle monte Djegen, à Djegen. Djegen. Voilà, c'est là-bas. C'est encore 4 km. C'est très difficile. Ils ont habitué ça. Ils sont habitués, donc. Ils sont habitués, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Merci. Ok, merci.